cette formation-là, ce que j'ai appris là pendant les 3 jours, c'est qu'il nous explique toute la base d'un marchand de biens. Avec cette base-là, on peut se lancer. C'est ça, en fait. On peut se lancer. C'est aussi bien pour débutants que pour des gens qui commencent et qui sont un petit peu dans le métier, qui viennent se perfectionner. C'est une formation, pour moi, qui est vraiment formidable. Ouais, il y a plein de choses. Bah, sur les travaux, sur tout ce qu'il faut lister au niveau des coûts pour le travaux, parce qu'en fait, il y a pas mal de coûts auxquels on pense pas. Quand on fait du foncier, il y a tant de taxes qui se rajoutent. Des fois, c'est des prix relativement élevés. Donc, il faut mieux savoir au départ, quoi. Bon. Moi, c'est vrai, j'avais déjà les bases quand même, parce que je suis dans le bâtiment, mais j'ai pas la prétention de tout connaître. Et grâce à Yoni, j'ai appris énormément de choses. Des dizaines et dizaines d'infos qu'il a partagées pendant ces 3 jours, voilà, ça fait gagner un temps fou. Il répond à toutes les questions qu'on pourrait se poser avant de démarrer. Tout le monde rencontre les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes, peut-être des fois, démotivations, parce que c'est quand même lourd. Quand on se dit, oula, il y en a toujours un qui nous meurt, tu verras, ça se passera bien. C'est top. Ça correspondait à ce que j'attendais et puis maintenant mieux, on va dire. Donc c'est top. Ça va éviter d'aller dans le néant et de se prendre des grosses galères.